Messieurs, l'heure est grave. Cela fait depuis la Gamer Assembly que je n'ai point touché à Fortnite. De nouvelles armes sont sorties, de nouvelles mises à jour sont sorties. Est-ce que le top 1 sera possible ou pas pour le joueur franco-portugais? C'est un point que j'aimerais aborder aujourd'hui avec vous. Dans cette petite vidéo, nous allons essayer de trouver la nouvelle LMG. Parce que j'ai entendu qu'il y avait une batteuse qui était arrivée sur Fortnite, mais là n'est pas la question. Il y a également une météorite qui est tombée sur Tilted Towers, ou qui va tomber sur Tilted Towers, je ne sais pas exactement. J'ai perdu le fil total sur Fortnite. Et aujourd'hui les amis, j'aimerais récupérer ma place. Trop de bambis qui cavalent dans la pampa. On va essayer de les décimer aujourd'hui, faire le top 1 avec vous. Et de trouver cette nouvelle LMG aussi. Un gars qui fait trop le mec sérieux pendant les intros et tout, c'est un truc de ouf. La météorite est bien toujours effectivement présente dans le ciel. Quand va-t-elle s'abattre sur Tilted Towers? Nous n'en avons aucune réponse. Bon alors aujourd'hui les gars, franchement, je pense que j'ai perdu pas mal de niveaux. Hein, on va pas se mentir. Ou on va pas forcément viser Tilted Towers parce que ça risque d'être trop dur. A force, vous devriez être habitué à la blague. Bien évidemment qu'on va sauter à Tilted Towers. Bien évidemment qu'on va essayer de sortir de Tilted Towers vivant. Bien évidemment qu'on va essayer de trouver cette nouvelle LMG. Alors je sais pas du tout à quoi elle ressemble. Je sais juste qu'on peut la trouver dans deux niveaux de rareté différents, bleu et violet. Pas de légendaire, pas de batteuse légendaire pour moi. Et on va voir un petit peu de quoi ça s'agit et surtout à quoi elle sert quoi. Ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas joué à Fortnite, donc j'espère vraiment que je serai au niveau et que je ne vous décevrai pas. Parce que je sais qu'en ce moment, je vous déçois un max. Non voilà, c'est dit, c'est tout. On va appeler un chat, je vous déçois un max. Point. Sûrement descendu là. Terminé. Je savais qu'il était là en plus. Triste expérience pour le joueur franco-portugais. Maintenant on va pouvoir continuer à monter. Oh ok, il doit être là-dedans. Voilà, fallait faire super attention mon frérot. Hop. À la place de la longue range, je me tâte à prendre celle-là parce que genre elle est exceptionnelle en fait. Même si on s'en rend pas forcément compte. Hop. Est-ce que je peux ramasser ça? Non, je peux pas. Voilà. Oh, la batteuse! Allez, la nouvelle batteuse, enfin elle est là. Et c'est quoi comme balle que ça dégomme ça? Alors là, ça me plaît. La batteuse, ça me plaît. C'est un peu le même type de... Alors, ouais, c'est des balles derrière tout simplement que ça récupère. Donc c'est un peu le même fonctionnement que la Gatling. Putain, j'ai une deuxième pote. Si là on va pas jusqu'au bout du topage, je sais pas. Hein. On va essayer d'aller se récupérer le loot quand même. Hein. Ça fait un long moment également que je n'ai point récupéré de loot. Du coup, je vais essayer d'aller courir dessus et d'aller le récupérer. En espérant que... Ah. Bon, lui on va laisser le faire. Allez, ça part. Et il avait une scar. Il a sauté comme un débile là avec n'importe quoi. N'importe quoi, c'était le duel le plus marrant que j'ai jamais fait quoi. No shoot d'un côté, no shoot de l'autre, c'était super rigolo. On va essayer de se rapprocher vers le milieu de zone qui se rapproche effectivement de Pleasant Park. Alors, je vais pas vous faire un dessin, vous savez très bien tout ce qui s'est passé sur Pleasant Park. Hein, les voisines, tout. Oh, c'est quoi cette masse de loot là-bas? Il y en a un qui s'est fait. Il y a masse de légendaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a même une mégapote. Hop. Ça c'est fait. Et je comprends pas où est le mec en fait. Où est le type qui l'a buté? Il a dû lui mettre un long shoot dans la tête et il a dû se casser comme un teubé. Putain, c'est dommage de... Oh. Allez! Désolé, je voulais finir la batteuse, mais le mec avait l'air trop sûr de lui et trop sur sa lancée, quoi. Ça me dérangeait un petit peu. Moi, je vais peut-être juste reload pour le coup cette machine à tuer, là. Ouais, faudrait juste que je revienne en zone, en fait. Parce que sinon, ça ne va pas le faire. Ah, oh putain, il y a une méga construction qui s'est fait, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un dedans, déjà? Ah oui, c'est sûr, il y a quelqu'un dedans. Oui, il est passé lui. Voilà. Putain, ça tremble quand même. Hein. Ça tremble à max. Attends, là il y a du monde aussi. J'ai vu du monde sur la colline. Je vais essayer de le soulever à la batteuse aussi. Par contre, si c'est trop chaud, je le ferai pas. Hein. Si c'est vraiment trop chaud, je le ferai pas du tout. Je vais quand même prendre le shotgun au cas où parce que j'ai pas envie de me faire soulever sans faire exprès.
Attends, attends, il loot là. Il est peut-être parti looter en dessous. Attends, j'ai entendu un gars looter quelque chose. Je peux pas laisser quelqu'un dans mon dos. Bah écoute, si, apparemment quoi. Mais va falloir que je fasse gaffe à lui parce que... Oh, c'est un Bambi! Merde, il est passé par là, fais chier. C'était un Bambi, c'était un Bambi, c'était un Bambi, c'était un Bambi. Wouh! Tu m'auras pas. Là c'est terminé, tu m'auras pas. Bon, il en reste 5 en vie. Est-ce qu'on peut le faire, est-ce qu'on peut pas le faire? Je sais vraiment pas si je peux le faire là. Bien. Oh là là. Où il est? Où il est? Où il est? Arrête! Je te trouve trop violent là. Où t'es? S'il te plaît gros, j'ai pas envie de me battre avec toi. Juste envie de te soulever. Putain, je commence à avoir l'eau ressource en plus. Non. Putain, je me suis fait voler la constru. T'es où? Où il est? Oh, je suis tombé sur le champion du monde de bulle. Oh le rollback. Oh le rollback. C'est sûrement le rollback qui m'a sauvé la vie ça. Il est où l'autre? Il doit être en dessous de moi toujours. À l'attaque, sous sa l'ennemi! À l'attaque! Tuez-les tous! Je crois qu'il est mort. Non, pas sûr. Alors, où est-ce qu'il construit? Où il est? Il me rend ouf! Il me rend ouf! J'arriverai pas à le sortir ce gars-là! Enfin! Enfin! Donne-moi le shotgun, non, non! On va essayer de se faire le dernier au. On va essayer de se faire le dernier à la batteuse. Où il est? Où il est? Faut que je me fasse le dernier à la batteuse là! Jean-Louis! Jean-Louis, t'es où? Putain, j'ai plus rien pour me soigner. Il est où, Jean-Louis? Où il est? Il s'est donné, il doit être sur la colline là-bas. Allez, on va le run. On va le run. On va se faire cette vidéo. Allez, tiens, on va se faire une petite danse. Qu'est-ce qu'il y a, tiens?
Voilà les amis, c'était White, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, rien que parce que j'ai fait le top 1 en one shot, alors que ça faisait très longtemps que je n'ai pas joué. J'espère que vous allez me péter un maximum de pouces bleus et que vous allez vous abonner, et j'espère que vous allez vous abonner à cette chaîne YouTube. Ça me fait très plaisir et la nouvelle batteuse est super marrante à jouer, c'est pas un truc overpété en fait, c'est super fun à jouer. Et puis voilà, n'hésitez pas à me donner des retours dans les commentaires si vous avez déjà utilisé la batteuse ou pas. J'aimerais tout savoir, dites-moi en bas ce que vous avez pensé de cette petite vidéo et ce que vous avez pensé de cette petite batteuse. Bisous, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Peace.